Action coup de poing d'Alliance Vita, hier, dans 75 villes de France, l'association organisait des rassemblements contre le projet de loi sur l'adoption et le mariage par les homosexuels, comme ici devant la gare de Brunoy. Alors aujourd'hui, on a des études qui montrent que les enfants dans les couples homosexuels se portent bien. Ce sont des études qui portent sur des échantillons non représentatifs, qui sont non scientifiques. Et aujourd'hui, on a de nombreux psychiatres, psychologues, professionnels de l'enfance. On a aussi les enfants adoptés, on a les associations d'aide aux enfants qui nous disent, qui nous interpellent, qui nous disent que bah non, tout n'est pas rose effectivement dans les familles homoparentales et qu'un enfant, pour se structurer, a besoin d'un papa et d'une maman. L'association s'est déjà fait remarquer dans son combat contre la recherche sur les cellules souches ou encore l'euthanasie. Une fois de plus, elle a choisi une chorégraphie pour interpeller les passants. Un enfant papillon sort de son cocon chancelant et soutenu par un groupe de papas et un groupe de mamans. Une métaphore qui ne semble pas séduire tout le monde. Je suis pas du tout d'accord avec leur sujet, Je trouve ça fait un peu secte, vraiment. Je trouve ça dommage de partir sur un sujet comme ça, alors qu'il y a des sujets qui sont 10 fois plus graves à aborder. Et on reste comme ça accroché à rien du tout. Genre de papa, de maman, ça fait quoi? Enfin, ça changera rien. Le texte sur le mariage homosexuel sera étudié en Conseil des ministres le 7 novembre.